clé pour nous capables d'éviter le diabète, okay? Pour nous capables de renverser ce diabète. C'est pourquoi une bonne alimentation est très nécessaire dans ce cas-là. Quand vous piquez du plat le soir, ça veut dire que la moitié du plat, vous avez beaucoup de légumes. Okay? Vous essayez à rajouter un petit peu plus de légumes comparé avec les carbohydrates comme du riz, du pain, tout ça. Là. Vous essayez privilégier un petit peu, pas de faire brun. Okay? L'autre côté, vous avez une avale protéine. Au moins deux fois par semaine, vous avez une avale protéine comme le soya, le théocone, ça fait partie de la protéine végétale. Sinon, vous avez aussi une protéine comme animal qui est lean, ça veut dire maigre. Bon, pour la journée mondiale du diabète, donc effectivement, un grand conseil qui m'a capable de tout le monde personne, c'est essayer de cuisiner maison le plus possible et d'utiliser mal produits frais. Ça veut dire beaucoup de fruits et légumes dans l'alimentation. Effectivement, si vous tenez un petit potager à la maison, que vous êtes capable de cultiver vos propres légumes, moi, je vous encourage. Aussi, mettez les graines qui est naturel, ça veut dire des grains secs, le riz brun, essayez d'éviter ce qui est blanc. En particulier la farine blanche, le pain blanc et aussi beaucoup, n'oubliez pas les noix. Les noix, c'est un travail qui est très important, que ce soit amandes, que ce soit pistache, bien sûr, non salé, cashew nuts, ça même qui peut amener un petit peu plus de magnésium, qui est très important effectivement pour améliorer la résistance à l'insuline et c'est ça même qui nous relie dans les diabétiques. C'est améliorer cette résistance, diminuer ce taux de sucre et faire effectivement améliorer la santé en général. De cette porte ouverte, c'est pour faire connaître les services de l'association pour tous nos diabétiques et aussi pour le côté de la prévention parce qu'on aurait aimé réellement sensibiliser les gens par rapport à la prévention et aussi ceux qui sont déjà diabétiques, on est en train de prendre soin d'eux. Par exemple, il y a tout le côté de foot care qu'on est en train de voir leurs pieds, on est en train de faire l'éducation pour les pieds, il y a la neuro-réhabilitation, c'est-à-dire quand les nerfs sont un peu affectés, là aussi il y a la dame qui est en train de s'occuper, il y a les infirmières pour les plaies aussi. On a eu là depuis ce matin des gens qui ont des plaies diabétiques, qui sont en train de prendre soin. Donc le but c'est pour réellement montrer, faire connaître que quand on est diabétique, c'est pas une personne qui doit s'occuper, mais toute une équipe. Donc aujourd'hui, toute l'équipe s'est mobilisée pour vraiment prendre soin du diabétique et aussi pour la prévention. Et nous avons, par la même occasion, donné, il y a le dépistage du foie aussi. Donc c'est une occasion réellement qui peut profiter aujourd'hui pour le dépistage du foie. Donc c'est nouveau ça, un dépistage pour le foie, c'est dire oui. Quoi, l'hépatite ou qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? On voit que de plus en plus, même les gens qui sont pas, plus souvent des fois ce sont les alcooliques qui développent des problèmes pour le foie, mais là on voit quand même maintenant de plus en plus les gens ils commencent à développer des problèmes. Donc c'est là, il y a un dépistage bien en avance qu'on peut voir avant même qu'on aille trop loin parce que quelquefois c'est trop tard. Donc voilà ce qu'on est en train de faire pour pouvoir faire bénéficier à tous nos Mauriciens tous ces services-là et c'est la raison qu'on a ouvert APSA aujourd'hui de 9h jusqu'à 14h. On a mis une navette aussi qui est à l'arrière d'Espace Maison à Trianon. Ils peuvent venir chaque demi-heure, la navette va les emmener ici et profiter de tous les services. Il y a la psychologue qui va les voir, le docteur qui va les voir, le diététicien qui va les voir. Donc toute l'équipe s'est mobilisée. Donc c'est pas trop médical aussi, je vois qu'il y a une dégustation. Exactement, on a fait préparer aussi pour leur montrer comment manger sainement. Par exemple, les snacks. Souvent des fois, nous les Mauriciens, comme on a envie de manger un snack, nous mangeons un gâteau piment, nous mangeons des affaires fritures. Mais là, il y a un bâtonnet de légumes qu'il nous préparait. Et il y a aussi le pain complet qu'il a, et différentes manières de le manger, et comment nous varier. Donc tout ça nous peut expliquer et nous faire un petit endroit pour que je puisse vraiment venir déguster en même temps.